Mesure du courant. Les EPI ont été vérifiés au préalable. On positionne le sélecteur de la pince multifonction sur ampère. La mesure a été effectuée sur un conducteur et non un câble. Nous allons mesurer le courant d'alimentation de l'ensemble des lampes du four en se prenant sur ce conducteur. Le courant doit être approximativement de l'ordre de 11 ampères. Ensuite, nous vérifierons l'alimentation de deux des quatre lampes. La mesure doit nous indiquer aux alentours de 5,5 ampères. Nous allons effectuer les mesures. La première mesure nous indique environ 11 ampères. Et la seconde mesure nous indique environ 5,5 ampères.